Comme je l'avais promis à plusieurs, voici une première capsule concernant mon voyage en Argentine. Alors, où est l'Argentine? En janvier dernier, j'ai pris un avion d'Air Canada pour me rendre en Argentine, qui est située dans l'hémisphère sud. Alors, comme tu le vois sur la carte, le Canada est le pays le plus au nord de l'Amérique, comme tu peux le voir en rouge, et l'Argentine est le pays le plus au sud de l'Amérique, comme tu peux le voir en bleu. Le vol a été d'une durée de plus de 16 heures. Alors, pendant qu'en janvier, il y a de la neige au Québec, en Argentine, c'est l'été et il fait très chaud. Alors que les élèves s'amusent dans la neige à l'école, en Argentine, les écoles sont fermées et les enfants sont en vacances. Pendant l'été, c'est-à-dire pendant notre été au mois de juillet, c'est le contraire. Au Québec, les enfants sont en vacances et en Argentine, les enfants ont de l'école. Alors, c'est tout pour la première capsule. Je te reviens bientôt pour la suite. Au revoir!